des records sur les parquets de NBA dans la nuit de lundi à mardi. À Chicago, Klay Thompson s'est offert une performance historique, 14 paniers à 3 points. L'arrière des Golden State Warriors a largement contribué à la victoire de sa franchise, 149-124. Au total, le joueur de San Francisco a inscrit 52 points. L'arrière des Golden State Warriors, Klay Thompson, a établi dans la nuit de lundi à mardi un nouveau record de panier à 3 points en NBA, réussissant 14 tirs hors de l'arc, lors de la victoire des champions en titre face aux Chicago Bulls. Thompson, déjà détenteur depuis 2015 du record de points sur un carton, a battu dans l'enceinte des Bulls le record de 13 paniers à 3 points en un match de son propre coéquipier, la star Stephen Curry. Et propulsé la large victoire, 149-124, des Warriors, qui confortent leur première place de la conférence Ouest après 8 journées. L'entraîneur des Warriors pas au courant du record point en seulement 12 minutes, le joueur de 28 ans, en délicatesse avec le panier depuis le début de la saison, a réussi 6 de ses 7 tentatives de loin, avant de battre le record et finir avec 52 points marqués. Avant que je ressorte pour la deuxième moitié du match, Steph Curry a regardé l'affichage du score et a dit « Vas-y, va-le », a raconté le héros du soir après le match. Cela montre sa générosité. Pareil avec KD, Kevin Durant, Draymond, Green, et tous les autres qui étaient sur le parquet avec moi, a-t-il poursuivi. Je suis tellement béni de pouvoir jouer avec ces gars. C'était une nuit extraordinaire que je n'oublierai jamais. En effet, les coéquipiers de Thompson se sont, au fil du match, mis en tête de lui faire battre le record en lui offrant nombre de passes et en le mettant dans les meilleures conditions. Car avec un avantage de 42 points à la mi-temps, 92-50, le record est rapidement devenu le principal enjeu de la rencontre face au mal classé, 13e, de la conférence. Je n'ai même pas réalisé ce qui se passait au niveau du record jusqu'à ce qu'il demande un temps mort dans le troisième quart-temps, a assuré l'entraîneur des Warriors, Steve Kerr. J'ai entendu Klay dire encore deux, et à ce stade je ne savais même pas qui détenait le record. À ce moment-là, les gars alimentaient juste Klay, en ballon, par solidarité avec lui parce qu'il a eu un début de saison difficile. Mission accomplie avec un record battu moins de 5 minutes avant la fin du troisième quart-temps. Quelques secondes plus tard, Thompson était sorti par son coach. Histoire que leur record ne soit pas impossible à battre pour un coéquipier,